Yon lot fwa, go bonjou, bonsoir tout moun, mersi pou fidelite nou avèk ekip Mombad Media nan la, depi Mombad de Polis. Se yon plezi pou nou rejwenn nou pou yon lot video. Si se premye fwa vizite nou enfòmasyon nou pataje ou enterese ou, pa bliye abone avèk Mombad Media nan, epi ouvri chèn notifikasyon. Sa pèmèt ou fè pati ekip notifikasyon Mombad Media nan la. Men nou pa pèdi tan, nap komanse. Cool, yeah. Travail asphaltage en bas la ville là après poursuivre. Nous trouvons nous connia dans rue Saint-Honoré côté technicien TPTC à traverseur. Comment se mettre asphalte dans zone ça. Ministre de Joissise visiter chantier yo weekend là. Une façon pour comment travail asphaltage yo a déroulé dans rue Saint-Honoré. Ministre TPTC a été rendu dans Matissan côté béton a coulé dans espace qui connait la cause difficulté pour piéton et machine circuler. Dans Fontamara avec Bizoutan, c'est asphalte qu'on met. Le travail n'a pas perdu seulement dans la rue Saint-Honoré. La perte bon Sénégal, c'est sur route Cafouan et National numéro 2. La perte bon Matissan 7. La perte dans Bizoutan 53. Bon, et Marine Haïtienne. Et la perte dans Saint-Honoré là. D'ici 30 novembre, pour nous finir totalement à rue Saint-Honoré. Et avant 24 décembre, pour nous finir rue de la République. Là. Nous avons décidé de travailler la journée tant qu'on a nuit. Nous avons la journée, nous avons une chance ça. Nous avons exploité la nuit. Là. Et nous avons goûté. Et pour nous offrir l'autre point de prince. C'est ça le président a demandé nous. Et nous souhaitons nous balili. Et nous avons avancé. Responsable sœur à Franzley Joiseuse, accueillant ingénieur qui sous chantier Matissan. Fontamara Bizoutan à Christ Saint-Honoré a expliqué l'importance du travail. Comme chaque fois, quand on a continué à travailler pour nous honorer pour le ministre de la Population. Et je dis à la nous à Christ Saint-Honoré que nous avons fait tout ça pour nous balayer au cours de semaine. Ensuite, pour nous avancer pour Ricapoa jusqu'à ce que nous bouclions le quadrilatère. Et pendant que nous avons fait là, nous allons commencer à décaper Ricapoa d'ici lundi. Le travail que nous avons fait aujourd'hui, tout le monde a constaté, c'est dans notre travail. Nous avons empêché de travailler la journée, nous employons une stratégie, nous travaillons dans la nuit, nous avons des résultats déjà dans la rue de la Réunion, nous sommes dans la rue Saint-Honoré et nous avons frappé la zone et Matissan et nous avons frappé Fontamara et que jusqu'à présent, et nous sommes bonne voie. Tout côté qui est trop dans la zone métropolitaine a bouché, d'après responsable qui a annoncé le travail. Dans l'autre zone qui n'a pas fait partie, quoi de la terre, a démarré dans le jour qui a venu. L'administration Moïse, le gouvernement Joutla, a travaillé pour traquer tout individu qui a troublé la paix publique dans la société. D'après le chef paquet Port-au-Prince, maître Ducamel Gabriel, qui a encouragé tout secteur dans le pays, pour te coller avec la police nationale, le travail a fait dans la RIA. Nous sillonnons les différentes rues de la capitale. Donc, nous avons fait prévention, nous avons fait fouille et nous avons gardé pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables non seulement de combattre l'insécurité et puis ouais, comment nous sommes capables de traquer les bandits. Donc, nous avons profité de Micro TNH pour nous lancer un message à tout le monde qui voulait faire des ordres dans le pays, qui a semé la terreur, pour nous dire qu'il y a deux choix. C'est ou bien nous changer de métier ou bien aller en prison. Maître Ducamel Gabriel rappelé opération ça, c'est une activité qui a étonné dans toute juridiction. Son mouvement d'a intensifié. Nous sommes tout près de la cathédrale là. Nous sommes dans où est l'alerte, nous passons par quoi. Donc, nous sommes devant Canada. Et il y a deux zones côté que ces deux zones souvent des kidnappings. Et très prochainement, nous allons faire descendre des lieux, nous allons l'autre côté pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables de traquer Bansi. Lali, Tijou et Chodmas, c'est quelque part dans la zone de la capitale, responsable par le Port-au-Prince et la police, là, qui sillonné samedi 21 novembre 2020. Vous savez qui parlait sous plusieurs formes, plusieurs couleurs, pas sortir de l'autre côté. C'est pour petite terre. Cap simé la terre, cap créer la trouble dans le pays. Nous profitons de moment ça pour nous présenter ces patinons à tout le monde qui est frappé par vague violence. Devant tout problème, ça y est, qui vient plus grave chaque jour, qui mettait nous dans la caisse sautée,
avec la Pérez, nous sentons que la responsabilité nous vient un peu plus. Mais tout le constitution au pays, loyaux, avec règlement, bon pouvoir pour rétablir l'ordre sur tout territoire. Je le dis, nous ne pouvons pas trouver une obligation pour ne pas nous chérir à personne. Mais il faut que personne ne pas gêner nous tous. Et c'est droit nous pour nous faire tout pour respecter la loi. Pour nous continuer à faire effort pour établir un État qui chita sous droit à Québec et nous. Nous devons soutenir l'État dans le geste qu'il a fait pour sauvegarder le droit dans le pays. Pour nous protéger la population contre toute menace, toute acte et sécurité. Pour tout le monde qui a senti bien à l'aise dans le pays. C'est ça que fait nous-mêmes dans la police là, nous choisissons chaque gain en plus valet, qui noble, qui grand, tant que loyauté, sincérité, intégrité, engagement, respect et professionnalisme. Tout ça mélangé à vision pour nous vivre plus efficace, pour nous gérer plus bien les affaires sécurité peuple. Dans le respect même de loi pays à tout constitution. Convention internationale. Dans ce sens, tout le monde qui ne veut marcher droit doit retrouver derrière barreau pour vous baisser. Frère Maxamio, après 25 ans de travail, la police fait nous ne pas capable de dire devant malhonnête qui a troublé la paix publique. Nous ne pas capable de dire l'institution de la police là comme ça. C'est pour ça que nous prenons toutes les mesures qui sont nécessaires. Tout le monde sa yo. Et nous commençons avec une bonne information sur le monde qui est complice. Nous travaillons plus toujours pour qu'avant longtemps nous baillons tout le monde satisfaction. Ça m'a dit tout bonjour collaboration à toute population. Messieurs, dames, sécurité sur le bien public de concerner tout le monde. Nous tous devons être nous ensemble. C'est pour ça que nous invitons tout le monde. Sans distinction, nous avons nous à tous les policiers pour arriver à la niveau sécurité nous besoin. Comme bon, la police là a travaillé pour améliorer les conditions de vie et de travail de tous les policiers. Samedi qui était 21 novembre 2021, après plusieurs heures de filature et plusieurs unités en dans direction centrale police judiciaire menaient une opération. Côté arrivé arrêté yon nan pi important bandit qui fait partie de yon gang et qui basé à village de Dieu. C'est gang yon les 5 secondement que des bandits nous 3 appartenu à lui et yon nan bandit que yon arrivé arrêté c'est Peterson Benjamin alias Tipiter. Alias Tipiter t'es dans SAT et dans la capitale là, dans la banlieue, dans la capitale là, côté l'étape mène activité banditisme, et la police était filaturé li, et était guerre avec les 3 autres bandits, qui c'est Saint-Louis Rosenor, et François Inel, et Jackson Delis, tous les 4 monsieur Sayo, la police était guerre information depuis côté où était quitté village là, pour nous mener action côté au Tabralea, la police te gen contrôle yo, et grâce à l'appui population, collaboration population qui c'est acteur et privilégié, qui c'est partenaire privilégié la police, et que nous pas jamais suspendre et mande collaboration les appuis, et dans sans salité pour tel, la police rive épinglé tous les 4 messieurs Sayo et qu'on y a là y a répondre question autorité judiciaire. Yo même pas oublié, dans le moment interpellation 4 messieurs Sayo, yo te gen un véhicule, yo ta fait usage de li, c'est un véhicule de marque Toyota Pickup, Hilux de couleur blanche, véhicule ça quelques temps avant, yo te volé, c'est un propriété de l'État haïtien, véhicule ça était au service ministère jeunesse et des sports, MJSAC, et que la police m'y veut récupérer. Et véhicule ça et pas oublier M. Sayo, il y a plusieurs chefs d'accusation que vous gagnez sous eux et la police a continué, la police judiciaire a continué enquête là
de concert certainement avec le parquet de la juridiction, parce que la police judiciaire, qui c'est collaboratrice immédiate, et les parquets des 18 juridictions, nous toujours travaillons de concert avec les parquets. Donc une fois le parquet est informé d'un acte judiciaire posé par la police judiciaire, donc la police pas travaille pour contre ce dossier, donc il y a travail de concert avec le parquet concerné. Donc à ce moment-là, parquet juridiction et que la DCPJ, alors parquet juridiction l'Ouest, est bien informé dans quatre dossiers ça, donc il y a travail de concert pour être capable recueillir maximum d'informations que possible pour capable arriver épingler l'autre monde qui gagne pour eux dans gang ça que reprocher pour même chef d'accusation ça. M'a renforcé les deux grands axes d'intervention de la police nationale d'Haïti. D'accord, si dit là, il y a un incident comme ça hier qui passé dans Jacques Mel. Deux timides ont été kidnappés et puis par la suite la police a été libérée grâce à concours population. Et qu'en est-il de présumés bandits? Jusqu'à présent, nous avons supposé nous arrêter le monde, mais nous ne pouvons pas dire Niami, mais ce qui est plus important pour nous, c'était libérer Timio et puis pour nous arrêter les bandits. Malheureusement, les bandits étaient allés, mais nous arrivons et récupérer les machines qui étaient gagnées et otage là-dedans. Pour tout le monde, machine ça? Machine, c'est pour un policier, c'est pour un policier lié, mais nous ne pouvons pas dire exactement non policier et puis mais nous connaissons tout le temps Jacques Mel, nous connaissons machine ça, c'est machine qui machine de policier. Est-ce que vous êtes la caillou ou vous toujours dans la police? Ah, comme ça vous êtes là, nous avons fait tout ça dans une forêt et puis nous sommes par un et puis aller la caillou. Dans quel incident ça a été passé? Dans quelle zone exactement? Depuis 10h30 dans le matin, ça a passé dans l'aéroport, dans la zone orange, et puis nous finissons, et tout le travail, ça a fini vers 4-5h. Et quelle disposition la police peut prendre en façon pour nous contrôler plus et zone Jacques Mel, nous avons bandit commencé à faire la pluie et le beau temps là-dedans. Bon, ça veut sans phénomène qui est dans tout le pays, mais j'ai une direction générale là, et parler avec tout responsable, dans tout le pays, on a pris toutes les dispositions qui prend pour nous capables de passer la fête fin d'année qui est agréable, pendant que nous avons demandé aux populations pour travailler ensemble avec nos jeunes ambitieux là pour nous capables de couper l'insécurité, parce que l'insécurité, c'est pas travail pour le grand monde, c'est tout le monde en population qui peut travailler ensemble pour nous capables de cela de climat de sécurité. C'est environ 500 000 plantes d'huile sont haïtiens recherche dans l'aménagement acte en développement à gagner pour mettre en terre dans la plaine Bakounois dans la commune Savo. Projet ça visé renforcer production agricole dans la plaine Bakounois qui peut porter plus dans l'économie pays et combattre la pauvreté selon le responsable Chadla, ingénieur Jean-Lucien Ligondé. Programme ça, programme pilote là, de supposer un test la fête dans la plaine Bakounois. Test ça, qui ça le bras le fait? Il a commencé en premier barrage, en premier mouvement de reboisement de l'endant, plein de Bakounois avec des espèces forestières qui sont capables de bailler de l'ombrage à un niveau élevé pour qu'en bas, il va mettre café, il va mettre cacao, il va faire maïs, il va faire pois. Donc en fait, qui ça dit là? Et puis par gagner des grosses fermes, tout, il va faire production laitière et puis production viande. Donc, ils ont été montrés à parler de bramousin. Bramousin sont une grosse espèce que nous avons entrée en Haïti, qui fait environ 4 fois un bœuf normal que nous gagnons. Mais ce qui est important, c'est que le programme, ça, il va permettre de créer environ 200 000 emplois en un NIP seulement. Calculer la population NIP, ça veut dire que tout le monde est travail d'ici 3-4 ans. C'est un gros barrage pour la jeunesse NIP. Lancement programme pilote en plan stratégique de développement mine intégrale d'Haïti dans le département de plan, je ne suis pas autorité religieuse dans la région. Désir pour le transformer et me sentir nouveau la vie pour le bourgeonner dans la zone pour jeunes garçons, jeunes filles, grands monde, petit monde, de manière à ce que souffrance pour mettre prend pas de possibilité, opportunité pour eux. Jeune actif, je dis, je vais voir, j'en jale la dit, jale soleil, n'a pour l'autre la vie. Bourgeonner et n'a pour l'autre la vie qui a commencé. En Savo, Bakounois,
nous chantons pour inaugurer, nous disons c'est terre de la renaissance, c'est terre de l'espérance. Chrad impliqué bon côté l'église catholique pour grand projet ça, parce que l'église doit comprendre que non seulement l'y appelé à nourrir peuple là de parole bon Dieu, mais tout dans sa peuple là est intéressé l'église là, parce que c'est pas morceau haïtien que l'église doit sauver, l'église qui est en Haïti, mais c'est haïtien intégralement. Ça veut dire dans la dimension spirituelle, mais dans la dimension humaine ni tout. Et c'est peut-être ça grand goût haïtien intéressé l'église là. Pauvreté haïtien intéressé l'église là. Et c'est peut-être ça, avec Chrad, l'église a commencé à mettre main pour qu'à travers gros programme ça, il arrive à faire une contribution par eux dans quoi paix, pauvreté, dans quoi paix, misère. Parce que côté bien plus manger, ou a bien moins bandit. Haïti Levé Kapo, c'est un slogan ça, plusieurs habitants dans la commune en Savo participent dans le combat de planter plus bas ça, dans le plan Bakounoua. Cyber, double averse et Siwo dans la Tremblay 12, c'est trois localités dans la commune Kouadebouquet qui bénéficient du système pompage à énergie solaire. Deux n'ont pas inauguré pendant la propre localité Siwo presque fini. Réalisation ça, c'est résultat coopération entre Haïti et la République Chine Taïwan. Tout d'abord, nous avons le ministère agriculture. Les mêmes sont gros acteurs parce que c'est lui-même qui prend encadrer la population entrepreneur pour être capable de venir prendre l'eau pour le faire venir manger dans bonnes conditions. Et nous avons toujours des côtés déjà qui recevoir ce système ça, qui a fait pollution, qui a fait l'argent. Et nous comptons pour ça. L'autre acteur qui est important, c'est Dileba, qui va construire une infrastructure pour la population qui a baigné, lavé, baillé l'eau, à prendre l'eau pour servir la taille, pour manger, à pour l'autre service. Il y a l'autre institution, tant que le ministère agriculture, ministère environnement et Dileba, qui a assuré au système ça a bien marché plus longtemps que possible. Ministre de l'Environnement Abner Septembre, mandé population hein, pour te coller dans le travail ça. Aujourd'hui, je suis particulièrement content et heureux d'avoir une fois de plus de pouvoir voir chaque village heureux, content et plein de satisfaction. Et témoigner encore une fois la formule magique de l'agriculture lors de la campagne des présidents de la République qui est le soleil, la terre et l'eau. Sous 21 pompes à énergie solaire qui a bien pour installer dans la plaine du cul de sac, président Jovenel Moïse déjà installé 7. Pour Cité Soleil à Kouadebouquet, il y a environ 15 000 hectares qui ont bénéficié. Chef l'État prend engagement pour courir producteurs tout partout dans le pays, une façon pour le peuple à joindre manger dans l'assiette li avec bon de l'eau dans le robinet. Donc, il y a un milliard de soleil à jour, longtemps soleil, ça a été grillé dans le monde. Soleil ça, depuis nous-mêmes, tout le monde qui est dans le jardin, nous peur. Parce que le premier soleil là, nous allons tuer le jardin. Je dis à mon ami que nous faisons le soleil ça, nous devons nous égarder. Nous comprenons que tout le monde va aimer pour tout le peuple, ça le seul, vous voyez. Mais nous ne pouvons pas faire ça. C'est pour le peuple, je vous vois, nous allons la serre. Ça y est, il y a un bon monde pour avoir la serre. Ça veut dire pour nous dire tout côté de la plaine du cul de sac là. Nous devons aller de côté de la commune, c'est des oreilles, commune Kouadebouquet. Parce qu'à deux communes, il y a presque 15 000 hectares qui ont une capacité de l'agriculture, mais on va mettre l'eau. Pour nous, on va mettre l'eau, c'est le système cancien. Nous sommes arrivés côté que le tissu là. Son moteur camion que le président a donné, un moteur camion pour vivre pour moi. Comment vous comprenez pour l'État abandonner la vie de l'homme
ça veut dire que nous disons à nous, nous avons ça de l'État ça. Et c'est l'État ça m'a dirigé aujourd'hui. C'est ça que nous disons pour nous arriver à demain. Pour nous dire, l'État ça a chita sur le système de ses succès, c'est nous-mêmes. Et le système ça, pas des gens. Pour nous retirer le pays, ça nous a écrasé pour nous craser. Si pas des gens qui perdent ça, nous-mêmes comme chef de l'État, c'est nous-mêmes. Il faut craser le système de ses succès ça. Sous demande population, chef l'État a passé ministre agriculture à instruction pour le travail pressé pour mettre de l'eau dans le bassin général pour moun kwa de bouquet ka joindre plus de l'eau pour arroser jardin yo. Ça ka permet yo gen plus l'argent rentrer dans poche yo. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es cap tande dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.